Salut! Cette semaine, on va tester un des jeux qu'on m'a le plus demandé depuis que j'ai commencé ce format en 2017. La raison pour laquelle je n'ai pas testé ce jeu depuis tout ce temps est la suivante. Bref, vous comprenez pourquoi j'ai mis tant de temps à m'y mettre, mais maintenant, c'est le moment. Interville, c'est peut-être une des plus anciennes émissions de télé. Ça a quand même commencé en 1962, époque où les télés ressemblaient à des trucs comme ça. C'est-à-dire à l'époque, c'était pas une émission ultra fun et délire façon Total Wipeout ou Fall Guys pour mes amis gamers. Non, c'était des épreuves sportives entre deux villes, des épreuves chiantes. Puis petit à petit, c'est devenu fun et débile, jusque dans les années 2000, où c'est l'émission qu'on connaît plus ou moins tous. Et c'est tant mieux, alors bon, si on met de côté le caractère éthique de faire des épreuves avec des animaux, globalement, c'est une émission drôle, avec des costumes, des piscines, des tapis roulants, des épreuves complètement folles que j'adorerais faire encore aujourd'hui. Dites-vous que si la DS était sortie en 1962, on aurait eu une épreuve de penalty. Ah, énorme! Merci d'avoir pris ton temps, évolution technologique, merci. Bref, des épreuves fun en pagaille, plein de délire, bref, y a tout pour faire un bon jeu, et vous allez voir que c'est pas du tout ce qu'on a eu. C'est parti. Quand j'ai parlé de ce jeu sur mon Twitter et mon YouTube, pensez à me follow, tout ça, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils l'avaient eu petit et qu'il était pas mal. Alors ouais, je reçois toujours ce genre de messages de gens nostalgiques qui me disent « Oh c'est pas mal !» même sur des jeux complètement à chier. Mais là c'est impressionnant parce que beaucoup de monde me disait « Non mais il est vraiment bien !» Même quand j'ai commencé mon live dans le chat, il y avait des gens qui me disaient « Tu vas voir, c'est super fun !» Vous étiez tellement à me dire que c'est un jeu cool que j'ai commencé à aborder le jeu avec le sourire. Ça commence sur l'intro de l'émission, ça fait plaisir, ça met bien dans le bain. Je suis donc Askum qui représente Merd City. Je me suis trompé, je voulais mettre Askums de Lyon, c'est le clavier qui marche pas très bien. J'adore cette blague. On prend le temps d'apprécier les super effets sonores du menu que le joueur qui avait la cartouche avant avait décidé de mettre à un volume de 110. Un banger pareil, je comprends qu'on a envie de faire péter les watts. En tout cas, le jeu fonctionne avec un système de saison. En gros, c'est une campagne solo qui s'étale sur 5 villes différentes. Et puis, c'est un enchaînement d'épreuves comme l'émission. On commence en beauté avec la première, les sumo basketteurs. Sans explication, on est largué dans une arène où on peut déplacer la caméra avec la croix directionnelle, puis visiblement le tactile permet de faire des actions, genre envoyer ses sumo sur les différents obstacles. Le premier obstacle est un espèce de boudin et ça va, il suffit de spammer l'écran. Par contre le deuxième, un espèce de tapis roulant, je comprends rien. Je vois bien l'indication à l'écran qui me dit de gratter de haut en bas, mais ça marche pas putain. Et en plus, si un autre sumo arrive pendant ce temps-là, les deux se renversent et faut recommencer. Attendez, il avance. Ah non, il avance plus, et merde, il est tombé. Non, j'ai dû faire une connerie, y a pas de souci. Alors, le suivant arrive, ok, merde, y a un bleu en même temps, et il tombe. Allez, celui-là, il est tout seul, vas-y mon vieux, vas-y. Mais putain! Non mais merde, y en a pas un qui arrive à passer. Je veux dire, je suis pas un débile, je sais ce que ça veut dire gratter de haut en bas. Et ça ne marche pas! Ok, nice, ça commence comme de la putain de merde ce jeu. Je veux dire, autant dans l'émission, c'est marrant de voir les gens tomber, c'est rigolerie, oh, il est tombé. Mais là, ça marche pas, c'est un jeu vidéo. C'est juste frustrant. Mais surtout mon problème, c'est pourquoi ils veulent pas avancer. Oh yes, c'est la fin de la manche, enfin. Et merde, y'en a une deuxième. Bon allez, je suis sûr que je peux y arriver. Ça ne marche jamais, j'en peux plus. Oh attendez, oh il avance celui-là, vas-y. Au bout mon petit, au bout. Bon zéro point sur la première épreuve. Comment dire, la première impression de ce jeu n'est pas très bonne. Et ça me met pas dans les meilleures conditions pour la suite du test, croyez-moi. D'ailleurs au cas où, genre relou, machin, je joue sur une vraie console, hein, c'est une vraie console, je jouais là-dessus, hein, et ça marche pas quand même, elle marche très bien. Nick. Bon, deuxième épreuve maintenant, qui sera un fil rouge, un truc qui va revenir régulièrement, espérons que ce soit faisable. Le but va être de choisir la statue correspondante au plan qu'on nous montre, puis la peindre en rouge avec de la peinture rose, posez pas de questions. Et c'est bon, on a le point. Yes, un truc faisable, je cherche même pas du fun, je veux juste pouvoir jouer. Troisième épreuve, les marchés de Provence. Il faut faire passer une orange que tient le candidat de droite dans un tube tenu par le candidat du milieu, puis la récupérer avec le candidat de gauche. En vrai, ce jeu, ça va. Mais bon, il y a toujours ces problèmes de clarté. Comment faire pencher le tuyau du bon côté? On sait pas. Comment lâcher l'orange quand le perso de droite la tient? On sait pas. La seule chose que j'ai cru comprendre, c'est que si on fait exprès de faire perdre l'équilibre au candidat de droite, il lâchera son orange. Mais des fois, il la lâche, même si son équilibre est bon, du coup, je comprends rien. Ça marche
à peu près comme épreuve, mais ce n'est pas du tout agréable. Troisième épreuve, on doit lancer un modastic accroché à un fil sur des gens, et il tombe. Voilà, ça c'est un mini-jeu un peu fun, ça marche bien, et c'est pas turbo frustrant, espérons que ça continue sur cette lancée. Maintenant, c'est la fameuse épreuve, celle de la vachette, où on prend la peine de nous présenter la fiche technique de celle-ci, chose qui sert à rien, c'est juste pour le lore. Et là, je suis mitigé. En fait, il faut construire une arche et réussir à faire passer la vachette dessous sans qu'elle la détruise, sinon il faut la reconstruire. On passera sur la qualité des contrôles tactiles qui est à chier, parce que le vrai problème, c'est l'intelligence artificielle d'à la fois la vachette et de l'adversaire. La vachette semble avoir des patterns assez random, donc c'est davantage une question de chance de réussir à la faire passer sous l'arche. Mais le vrai truc fou, c'est que l'adversaire, des fois, il se fiche totalement et ne fait plus rien. Ok, j'ai rien à dire, c'est... c'est trop. Cinquième épreuve maintenant, le festin des manchots, et... non, pas ça, pas ce cauchemar! Oh non, le tapis roulant de l'enfer! Et ouais, comme d'hab, je vais rater. Attendez, non, il avance. J'ai réussi à franchir le tapis. Faut faire quoi maintenant? Faut faire quoi? Tourne, tape! Oui! Mon premier point! Yes! Oh, le bonheur. Ok, c'est bon, on recommence. Le tapis, j'y arrive, c'est bon. Ah non, mais merde, putain. Il m'aura fallu du temps pour comprendre comment ce tapis de l'enfer fonctionne. Et en fait, c'est un gros défaut du jeu qui se retrouve sur toutes ces épreuves où l'écran est super grand et où il faut déplacer la caméra avec la croix directionnelle. En fait, comme on a trois manchots à contrôler, le jeu a mis un système de verrouillage un peu caché où il faut vraiment suivre avec la croix directionnelle le manchot qu'on veut contrôler. Autant sur les épreuves où il faut juste taper très fort, ça se ressent pas, et je sais pas pourquoi. Autant sur le tapis roulant, il faut vraiment suivre avec la croix directionnelle le manchot qu'on veut faire avancer. La caméra fait en sorte que l'épreuve fonctionne, et je trouve ça très bizarre et très chelou. Très nul surtout, c'est nul, pas bien. Et d'ailleurs, même en sachant ça, le fun n'est pas pour autant au rendez-vous. Et si par malheur, vous faites comme moi une victoire et une défaite, comme c'est un best of 3, un BO3, vous allez devoir vous retaper une dernière manche, et j'en peux plus putain. Quel jeu de mort. Ah, c'est vraiment pas bien, hein. C'est pas bien, ça, hein. C'est vilain jeu, là. Il y a plein d'épreuves, mais toutes ont leurs défauts, qui les rendent pas bien, nuls. Ah, je vous avoue que la troisième fois que je me suis tapé l'épreuve du tapis roulant, il l'adore, il la met à chaque fois, j'ai juste pété un câble. J'ai rage-quitté. Rage-quitté? Rage-quit? J'ai quitté, mais de rage. Mais vraiment, un rage-quit sincère, pas pour le spectacle et pour le stream. J'étais en colère contre le jeu. Ouais, c'est bon, voilà, vous l'avez, votre jeu, c'est de la putain de merde. Oh, quelle chiasse! Ah! J'en peux plus de ce jeu. Quelle merde! Attendez, je vais le chercher. Je me suis remis de mes émotions et j'ai quand même pris la peine de le relancer, d'aller tester soi-disant les meilleures épreuves selon les gens du chat qui adoraient le jeu. Et même ça, c'est bof. Ok, il y a des trucs corrects mais sans plus, avec toujours les mêmes défauts de clarté. Cela dit, j'ai bien aimé l'épreuve des bulles dont le bruit de la piscine est retranscrit par un effet sonore de pisse. C'est vrai. Après tant de frustration, je n'ai pu m'empêcher un petit rire nerveux. Oh, le bruit d'urine, je peux pas. Bon, bilan sur ce jeu. Ah, oh, quelle merde, c'est de la crotte. Bon, alors, parlons des bons points. C'est assez joli et la musique est cool. Bon, alors, parlons des mauvais points maintenant. Je vous l'ai expliqué 50 fois, c'est ce problème de clarté. On comprend jamais ce qu'on doit faire du premier coup et même du 5-6e coup. Les explications sont fouillies et surtout, ça a vraiment pas été bien adapté pour de la DS. Il faut savoir que ce jeu est sorti également sur PC. Sauf que la précision d'une souris est bien supérieure à un petit stylet sur un petit écran de la console de Nintendo. Sur PC, il n'y a pas non plus problème de gestion de caméra qui permet de verrouiller un perso. Non, l'écran est assez grand pour voir tout, et en faisant le portage, ils ont tenté des trucs, ça a minablement raté. Je ne comprends pas comment ils ont pu laisser cette épreuve du tapis roulant alors que... Enfin, faut vraiment que vous la testiez vous, je sais pas.
mais ça ne marche pas bien. Pouah, j'ai pas les mots. C'est un jeu très très nul qui m'a frustré un truc de fou. Je ne comprends pas comment des gens peuvent le défendre. Enfin si, je comprends, c'est la nostalgie, ça. Moi aussi j'aime des trucs nuls d'il y a longtemps. Genre ça par exemple. Non, c'est bien Pepsi Man, en vrai c'est cool Pepsi Man. Pour moi, en termes de nullité, il se place vraiment pas loin de Secret Story DS et de Kid Paddle DS, qui vous le savez, forment le yin et le yang de la chiasse. À la limite, on pourrait imaginer un monde où on a une sorte de triforce de la chiasse, avec d'un côté Secret Story DS, qui est le jeu le moins clair de la Terre, avec aucun objectif, aucun but, de l'autre Kid Paddle DS, qui est un jeu rempli d'idées de merde, et en haut, du coup, Interville, qui fait le pont entre les deux jeux. C'est vraiment un jeu à la fois pas clair, à la fois rempli de merde, à la fois vide, à la fois plein de... C'est le best-of. C'est un peu tôt pour que je valide cette théorie, mais je l'aime bien. Dites-moi dans les coms ce que vous en pensez, la team. Bref, je vous le déconseille fortement, c'est une catastrophe. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, la team. Faut que j'arrête de dire la team, c'est ridicule. Week-end prochain, je fais une compétition en live qui s'intitule le Game Pass Challenge. Donc c'est sur twitch.tv/askunstv. C'est comme la Zilan, donc vraiment venez si vous avez aimé la Zilan, c'est pareil. Pensez à vous abonner pour me permettre de mieux me vendre à des marques, liker tout ça. À la prochaine les amis et coupez. Eh oh, c'est parti, l'écran de fin là.